Et coucou Hélène. Et coucou Marie-Sandrine et coucou tout le monde. Coucou tout le monde, on est tellement contentes toutes les deux de pouvoir vous partager une nouvelle invitation, devinez où, à... Sauce et Yes! Sauce et les Pins, c'est dans le sud de la France, c'est à 20 minutes de Marseille. C'est un lieu qui s'appelle l'Escale Côte Bleue, donc c'est une maison d'hôtes que... Hélène propose avec son mari Franck. Donc, c'est un lieu qui est très chaleureux. C'est un lieu où j'aime beaucoup participer à des événements et à des séminaires parce qu'on y est bien, parce qu'on fait de belles rencontres, parce qu'on a aussi la possibilité de loger sur place pour être en immersion. Et cette immersion qu'on propose, c'est un week-end aventure d'être soi. Donc, Being You, c'est une masterclass. Je dis une masterclass car normalement, c'est des classes qu'on fait sur une seule journée, ces invitations à être soi. Et il y a des formats donc plus longs, notamment donc cette masterclass de 2 jours. Et ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que 2 jours dans cette énergie-là, on a la place pour aller tellement plus loin qu'une journée. Alors, une journée, Hélène va pouvoir nous en parler parce qu'elle a déjà participé à cette classe-là. Et puis, moi, je vais vous donner un petit peu plus d'informations du coup sur les 2 jours. Alors, Hélène, qu'est-ce que ça a été pour toi cette. Tu as fait 2 journées Being You, hein? Oui, Sur mais deux, sur, à 2 moments différents. à 2 moments différents et à chaque fois des moments extraordinaires. Des moments extraordinaires où je me suis autorisée à être moi, quelle que soit mon apparence, quel que soit ce qui m'arrive dans ma vie. C'est s'autoriser à être visible, s'autoriser à être un peu folle dingue des fois. Mais c'est moi, c'est mon énergie, c'est mon pétillant. Et jusqu'à présent, je m'autorisais pas. J'étais un peu fermée, un peu verrouillée. Il y avait plein de choses que je m'autorisais pas à faire, et notamment comme là aujourd'hui, être présente avec ce petit pansement sur l'œil qui est suite à un accident. Mais il y a quelques années en arrière, jamais je me serais autorisée à faire une vidéo comme ça, en ligne, publiquement, qui apparaît sur Facebook, qui apparaît sur YouTube. C'est ça, en fait, s'autoriser à être soi et découvrir sa capacité à être vraiment soi, quoi qu'il advienne dans sa vie, quoi que les gens puissent en dire, quoi que les jugements puissent nous arriver. Au contraire, si vous avez besoin de juger, ben jugez, j'accueille. Et c'est ça qui est la magie de ces classes Being You. Donc, je l'ai fait en 2 fois, une seule journée. Ça a créé mais tellement plus par rapport à ce que je vis et par rapport à ma vie que je me dis, masterclass sur 2 jours, mais ça va être waouh! Je pense que c'est au-delà de tout ce que je peux imaginer. Voilà. En fait, Comme ouais. gratitude infinie de faire ça ici. J'ai tellement hâte et merci pour ces partages parce qu'on se connaît depuis quelques temps avec Hélène. En fait, pas si longtemps que ça, mais on a partagé beaucoup de choses. Et quand tu dis il y a quelques années, j'aurais pas osé ça, on se voit, on va dire, par fréquence de quelques mois et en quelques mois, mais ton monde, en fait, s'ouvre tellement déjà. Alors, je ne sais pas si tu m'entends toujours parce que j'ai l'impression que la vidéo a coupé. Est-ce que tu m'entends, Hélène? Hello, hello. Donc, je continue, peut-être que tu vas me rejoindre. Donc, ça y est, te revoilà. Donc, je disais que on se voit par fréquence de quelques mois, et en fait, en quelques mois, le changement est tellement énorme. À chaque rencontre, c'est un espace tellement grand qui s'ouvre. Je te vois aussi évoluer dans plein de choses. Et comme tu disais, dans cette façon, en fait, de ne plus se freiner à ce qu'on peut être, à ce qu'on peut choisir, à comment on peut le présenter, à comment est-ce qu'on peut se présenter. Ne plus avoir de définition sur qui on est, qu'est-ce qu'est notre business, à quoi notre vie doit ressembler, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Juste, en fait, être dans cette joie, dans cette pétillance dont tu parlais, qui est cet espace d'être soi. Et justement, dans ces 2 jours, en fait, c'est vraiment aller voir dans l'espace d'être soi, il y a tellement de sujets. Ça peut être par rapport à être soi dans le business, ça peut être être soi avec son corps. Ça peut être soi dans nos relations avec les autres, avec soi-même. Ça peut être aussi être soi en public, être visible, être soi avec l'argent, dans la création financière, dans la création de projets dans notre vie, être soi dans la création de notre futur. Enfin, c'est une exploration tellement immense où tous les sujets sont abordés. C'est une classe aussi qui est sans prérequis. C'est vraiment du développement personnel pur, quoi. On est là, en fait, pour avancer dans les possibilités.
qu'on s'est interdit de choisir par rapport à tous les points de vue qu'on a sur nous. Parce que ce qu'on rencontre dans cette classe, c'est qu'il y a plein de choses qu'on dit être nous par rapport à quand on se décrit, mais qui est juste en fait la résultante de ce qu'on a pu choisir et de voir qu'on a la capacité, la possibilité de faire des choix différents en se donnant confiance en nous et en reconnaissant qu'on a cette capacité. Donc, c'est tous ces outils vraiment pragmatiques qu'on voit pendant ces 2 jours avec aussi un manuel à l'appui qui est hyper complet pour sauter dans cette aventure d'être soi, commencer à créer une vie qui nous ressemble et qui nous rend heureux. C'est vraiment, c'est ça en fait l'invitation. Hein. Et puis de perdurer bah, avec tous ces outils que l'on rencontre pour créer eh bien, de plus en plus grand hein, pour notre futur. Et c'est ce que je trouve génial aussi dans cette classe, c'est qu'il n'y a aucun prérequis. Donc que ce soit la première fois qu'on touche au développement personnel ou qu'on ait fait 12 milliards de formations, qu'on ait déjà fait plein de trucs, qu'on soit déjà thérapeute ou qu'on soit, quel que soit le métier qu'on exerce, quelle que soit la situation de famille dans laquelle on se trouve, quel que soit le niveau social dans lequel on est, quelle que soit la boîte dans laquelle on essaie de nous faire rentrer en fait dans cette réalité, ce qu'il y a de bien dans cette classe, c'est qu'il n'y a aucun prérequis, donc c'est ouvert à tout le monde. Hommes, femmes, même tous les autres. Et enfants, enfants aussi. Hein. Enfants aussi. Et c'est ça qui est génial parce que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et qu'on ait déjà un pied dans le développement personnel ou pas, ça peut être même la première fois qu'on se dit « Ah ben tiens, et si je faisais quelque chose pour moi ?» Exact. Et si c'était ça, la première classe où on va enfin prendre conscience qu'il faut prendre soin de soi. Ça pourrait être ça, ça pourrait être cette classe-là. Donc, merci de faire ça ici à Saucer les Pins et de permettre à peut-être des gens qui habitent dans le coin de venir justement découvrir et au travers de cette classe, te découvrir toi, mais découvrir aussi ces outils d'accès qui sont absolument fabuleux. Oui, c'est des outils tellement simples et qui changent la vie, donc c'est vraiment accessible à tous. Et si je parle d'enfants, c'est que j'ai déjà eu des enfants qui ont participé à des classes Being You et ça leur donne aussi un regard différent sur eux. Ça donne aussi un regard différent sur leurs parents. Ça crée des relations différentes entre les parents et les enfants. C'est vraiment commencer, tu vois, un monde où personne ne se juge, où tout le monde se laisse être, où tout le monde peut choisir le chemin qui lui ressemble sans avoir besoin de faire plaisir, de ne pas vexer, de ne pas déplaire, mais où on peut tous être dans le laisser-être les uns des autres et dans le fait eh bien, de choisir ce qui marche pour soi. Et c'est quelque chose dont on nous apprend pas en fait à être ça, donc c'est une espèce de nouveau regard en fait sur soi-même et sur le monde pour vraiment créer quelque chose de différent. Et tu parlais de cette invitation à Saucer les Pins, ça peut être aussi pour les personnes qui sont pas du tout du coin, venez découvrir la merveilleuse région donc du sud de la France, donc on est sur la Côte Bleue. Pour accéder à Saucer les Pins, c'est très facile. Depuis Marseille, il y a la gare qui est juste à côté de l'escale Côte Bleue, à côté de chez Hélène. C'est un lieu très ressourçant. On a la plage à côté, on a une piscine chauffée. Il y a aussi des logements, des chambres avec des jacuzzis. Enfin, c'est tout cocooning avec possibilité aussi de demander à la carte de la restauration faite par Franck. Donc, c'est vraiment aussi une parenthèse quand tu disais « pour soi ». J'ai envie aussi de parler de nos corps. Être soi, c'est aussi avec nos corps, c'est se donner cet espace de gentillesse, de bienveillance. La bienveillance, c'est quoi? C'est de vouloir le bien, en fait. Et vouloir le bien, c'est commencer à s'écouter, ne plus se forcer à contre-courant de choses qui ne marchent plus pour nous, mais commencer à choisir ce qui nous nourrit. Et ce lieu est tellement nourrissant. Dans quelle parenthèse est-ce que ça peut être pour vous aussi de nous rejoindre à Saucer, sachant que Hélène nous propose des conditions et cadres particuliers? Et oui, et donc je suis dans la salle où nous allons faire cette fameuse classe. C'est la salle où habituellement ben, nous mangeons, où nous faisons les petits déjeuners. Donc on déplace la table et on a ce grand espace en fait avec un plafond là qui est pour le moment un peu couvert parce qu'on se protège un peu du soleil qui est très 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 lumineux aujourd'hui. Oh, c'est terrible. Oh, c'est horrible. C'est horrible, trop de soleil. Et puis, trop de soleil, et puis trop la vue sur la mer. Oh, oh là là. Et trop la vue sur la piscine, là. Oh mon Dieu. Donc, c'est dans ce bel espace que nous faisons cette classe-là. Wow. Et puis, à côté, en fait, nous avons des chambres. Nous avons des chambres à partager ou des chambres individuelles. Hein. Ça, c'est selon le choix de chacun. Mais nous permettons justement à tous les participants de ces classes de venir être hébergés sur place. Donc, même si vous habitez à l'autre bout de la planète, il y a l'aéroport de Marseille-Marignane, Marignane-Marseille-Provence qui est juste à côté, à 20 minutes.
La gare de Sons-et-les-Pins qui est à 5 minutes à pied, donc tous les transports sont possibles pour venir jusqu'à nous. Les hébergements sont là. Franck nous prépare des petits plats, juste J'avoue, comme ça, j'avoue, miam pour miam. régaler nos corps, effectivement, nos papilles, mais aussi nos corps. Voilà, donc Il y a vous cette pouvez me convivialité, contacter, ouais. vous aurez les liens en bas de la vidéo, me contacter pour plus d'infos sur les logements. Et avec Franck, on vous bichonne et on s'occupe de tous les à côté de la classe fabuleuse que tu vas pouvoir faciliter chez nous. C'est ça, c'est vraiment des moments très conviviaux. Et je parlais de cette bienveillance et des endroits où on peut vraiment venir déposer des choses, pas certaines choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de s'offrir même à nous-mêmes, de regarder pour nous-mêmes. Donc, je vous invite vraiment dans cette immersion pour vous, pour la création de votre vie et de votre futur, et aussi bah, de passer des moments ultra méga fun et conviviaux. Donc, on a hâte de vous accueillir à Sauce-et-les-Pins. Ce sera les 2 et 3 avril. Donc sur 2 jours, vous pouvez retrouver les informations sur cette classe sur mon site internet mariesandrinesalvé.com/événements au pluriel. Je mettrai le lien donc en dessous de cette vidéo sur YouTube et également les informations sur l'escale Côte Bleue. Ton site internet, c'est L'escale-côtebleu.fr, t'attends. tout en minuscules. Donc, vous avez toutes les informations. Merci Hélène pour ce moment partagé. Enfin, c'est que du bonheur à chaque fois qu'on se retrouve. Donc, je sais que on va passer juste de merveilleux moments pour grandir encore dans cette aventure d'être nous et d'inviter encore plus de joie, de fun dans tous les domaines de notre vie. Merci à toi. Yes, merci, merci. Merci d'avoir fait le choix de venir ici. Et puis, n'oubliez pas de rester quand même connecté à Marie-Sandrine et à Facebook et à YouTube parce qu'il y a d'autres événements que tu vas faire ici bientôt. Donc, il y en aura un petit avant, une classe bar, et il y en aura après, une classe fondation. Donc, restez à Donc l'écoute. effectivement, allez rapidement, on en parle le 9 mars, non, le 20 Le 20 mars. mars. 20 mars, il y aura une classe Access Bar et Hélène proposera donc à Sauce-et-les-Pins une classe Facelift la veille. Donc ce sera le samedi 19 mars et on se retrouvera encore effectivement pour une classe fondation au mois de mai. Les dates, c'est autour du 12, 13, 14, 15 mai, il me semble, mais on reviendra. Vous parlez de ça dans peu de temps. Yes! Merci Hélène, des gros bisous à tous et à bientôt et à votre écoute pour toute question. À bientôt tout le monde!